Elle jongle avec 700 dossiers. Aujourd'hui, Céline Martini, juge d'application des peines au tribunal d'Évry, voit un homme dont elle envisage de révoquer le sursis. Pendant le sursis mis à l'épreuve, bah vous trafiquez du stupéfiant. Donc en fait, l'image que ça peut renvoyer, c'est que bah vous vous êtes moqué du monde, monsieur. La juge part au plus pressé. Comme ses homologues, elle n'est plus en mesure de traiter les demandes d'aménagement de peine des détenus, comme ceux de Fleury-Mérogis. Au risque de voir la prison déjà surpeuplée, exploser, ce dont s'alarme l'Ordre des avocats. Pour une demande d'aménagement de peine, c'est généralement aussi pour une réinsertion, avec potentiellement un employeur qui est prêt à embaucher la personne. Donc c'est véritablement dramatique pour les détenus. Et puis on touche à un droit fondamental. Dramatique, mais insoluble pour l'instant. Arrêt maladie, manque d'attractivité au TGI, près de 5 postes de greffe restent vacants depuis des mois. Les conséquences sont concrètes, notamment pour ce dossier, un homme qui ne se présente plus au conseiller d'insertion. Là, c'est un incident qui n'a pas été traité, par manque de temps. Et de disponibilité et de hiérarchie dans les priorités. Céline Martini, elle, peut encore compter sur sa greffière, sa moitié, dit-elle. Mais les équipes sont à bout de souffle. Parce que pendant un an, on fonctionne depuis des mois. Et que les chiffres, on les maintient. Parce qu'on est corvéable à merci. Sauf que, on ne peut plus. Décision très rapide, motivée à minima, voire absence de suivi, la frustration l'emporte. Donc il nous arrive de voir des mesures qui expirent sans que la personne ait été suivie, parce qu'on n'a pas pu l'enregistrer. Sur des condamnés à 6 mois, on ne les voit pas. On n'est pas en capacité de les audiencer. Parce que le temps que la requête nous arrive, ils ont terminé leur peine. Des renforts temporaires sont annoncés, mais pour arrêter leur mouvement, les juges d'application des peines d'Évry attendent de la chancellerie une solution pérenne.